Jeudi dernier, Ducati nous a présenté le dernier millésime de sa superbike, la Ducati Panigale V4S. Et aujourd'hui, on va te dire en 90 secondes que tu dois retenir sur cette nouvelle super sportive. Et qui de mieux que Francesco Bagnaia pour nous présenter la superbike Ducati? Parlons chiffres déjà. 215 chevaux et 12,6 mètres kg de coupe, soit 1,5 chevaux en plus, rien de surprenant jusque-là. Au niveau de l'esthétique, rien de chamboulant, on a quand même droit à une nouvelle aération au niveau des carénages, des nouvelles touches de noir et surtout des ailerons plus fins et plus compacts. On a aussi droit à un nouvel échappement Akrapovic en option permettant de monter à 228 chevaux avec 102 décibels, de quoi passer sur beaucoup de circuits et fumer de la japonaise. Mais c'est surtout une nouvelle boîte typée Superbike avec des rapports plus longs permettant une vitesse de pointe supérieure de 5 km/h qui vont vous étonner. Les nouveautés, c'est surtout sur l'électronique qu'on les verra, avec un ride-by-wire recalibré, avec un mode bridé à 150 chevaux pour la route, et c'est déjà beaucoup trop. Le compteur, lui, dispose d'un nouveau mode d'affichage Trackevo spécialement dédié à la piste. Le réservoir, quant à lui, a été modifié afin de mieux épouser les formes du pilote et en profite pour gagner 1 litre de confiance. Enfin, les V4 et V4S sont proposés respectivement à 24 290 euros et 29 890 euros.